J'ai 20 ans lorsque le mur tombe. La première fois que je passe de l'autre côté, à Berlin-Est, tout un champ de possibles s'ouvre à moi. Du jour au lendemain, la ville a doublé de volume. Et une moitié de celle-ci m'est complètement inconnue. Pour nous, les Berlinoises de l'Ouest, la chute du mur signifie que nous cessons de vivre sur une île occidentale au milieu du territoire soviétique et que nous pouvons enfin explorer toute la ville et ses environs sans passer par des checkpoints. Nous sommes avides de nouveaux mondes. Raus aus dem Westmeer. On va enfin pouvoir sortir de la puanteur occidentale. Une grande partie des habitantes fuit Berlin-Est de peur que la frontière se referme. Les industries cessent de fonctionner et la ville semble fantomatique. À l'est se trouve un espace immense qui n'attend que d'être exploré et affecté et où l'on s'apprête à expérimenter et à jouir de ce flou temporaire qui ne durera que le temps de régler la question de la propriété privée. Les investisseurs ne vont pas tarder. Mais pour l'instant, à la fin de l'année 90, au moins 130 maisons de Berlin-Est sont déjà squattées. Aujourd'hui, Berlin est victime de cet enthousiasme passé. La ville dépend économiquement des soirées techno. Tous les possibles ont été vendus. Si Berlin est une courte parenthèse dans le mouvement free techno, celui-ci continue partout en Europe, dans les marges, à la campagne. Des gens se réunissent, cherchent et trouvent de nouveaux espaces, montent leur sound system. Tous ensemble, ils organisent, installent, jouent et dansent pendant des jours. La free techno est surtout l'histoire de nomades européens dont la langue commune est la musique. De nombreuses frontières sont franchies, au sens propre comme au sens figuré. Et partout où un ou plusieurs sound systems s'installent, des zones autonomes temporaires se créent, dans lesquelles règnent d'autres codes, d'autres dynamiques et règles que dans les sociétés capitalistes performantes. Les valeurs y sont redéfinies. Tu es ce que tu fais et non ce que tu as ou d'où tu viens. Une communauté prête à construire, à créer et à vivre des projets de vie en dehors des lois du marché et des mécanismes de valorisation capitaliste. Gemeinsam erfinden, gemeinsam schaffen, gemeinsam leben.